un autre rappeur est tombé. Et son nom c'est Pop Smoke. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn. Un nouveau rappeur, il a juste 20 ans. Cet homme, ce jeune garçon, a été assassiné par des gens armés qui sont arrivés chez lui pour le cambrioler. Les gens n'ont rien pu faire pour le ramener à la vie parce que les policiers l'avaient trouvé en train d'agoniser chez lui après le coup de feu. Pop Smoke, une personne comme toute autre personne. Que s'est-il passé? Pourquoi aux États-Unis des rappeurs de moins de 21 ans meurent de mort tragique? On pourrait dire bizarre. Il faut quand même se poser des questions, même si les causes sont déjà là. Comme je vous l'ai dit hier, mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu, avec ses anges, et le royaume du diable, avec ses démons. Et ces deux royaumes veulent prendre notre vie, veulent gagner notre confiance. Mais c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de là où vous devez aller. Vous êtes libre. En fait, c'est un semblant de liberté. Personne n'est libre. Personne. Soit vous êtes avec Dieu, le grand Dieu, et que vous l'adorez dans toutes vos œuvres. Soit vous êtes avec le diable, le vilain, et vous faites des conneries. Parce que lui, il est l'esprit du mal, l'incarnation du mal. Pop Smoke a été assassiné par des gars. On ne sait pas d'où ils sortent, mais ils sont apparus chez lui. Aujourd'hui, le diable n'a plus honte, je vous l'ai dit hier. Son travail ces temps-ci, c'est d'arriver chez les gens. Il a créé des problèmes. Vous êtes tranquillement chez vous et voici que un malheur va venir vous trouver. Pop Smoke n'avait pas idée de ce qui se trouvait chez lui quand il entrait dans sa maison. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il prenait très souvent en photo, des selfies. Et apparemment, les gens ont remarqué que ces derniers selfies montraient l'adresse de sa maison. Du genre, un numéro qui est affiché comme ça sur votre mur. Vous prenez en photo et le numéro de votre villa, par exemple, apparaît juste là derrière. Et les gens ont dit que c'est à partir de là que sans doute ces personnes qui voulaient lui faire du mal ont pu connaître son adresse. Peut-être que ces personnes voulaient avoir de l'argent, puisque ce jeune homme avait commencé à avoir du succès, il avait commencé à avoir de la gloire. En tout cas, il représentait l'avenir du rap américain, selon ce qu'ils nous ont dit. Il recevait des colis et faisait de temps à autre des vidéos où il exposait ses colis. Et comme vous savez, comme tous les jours, sur ces gens de colis, il y a toujours l'adresse. Quand vous faites de la chasse sur Internet. Donc les gens sont en train de chercher ce qui a amené les cambrioleurs à découvrir sa maison ou encore son lieu d'habitation. Mais Pop Smoke est décédé. Mes frères et sœurs, la vie est courte. Non. La vie, elle n'est pas courte du tout.
la vie, Jésus, elle n'est pas courte. Nous devons vivre longtemps. Et même très longtemps. Ça, c'est ce qui est juste. Mais de telles situations qui arrivent comme ça, où les jeunes sont en train de mourir, moi je ne pense pas que ce soit des situations simples. Ce monsieur a été emporté par les ambulanciers juste après ses coups de feu. Apparemment, les policiers qui sont arrivés là-bas l'ont trouvé juste là, couché sur le sol, agonisant. Ils l'ont mis dans le véhicule là, pour l'emporter aux urgences. Malheureusement, il a succombé. Il n'a pas survécu. Et quand je regarde encore cette situation, cela me rappelle fortement ce qui s'est passé avec Juice WRLD. Juice WRLD se trouvait où? Il se trouvait tout simplement dans un avion avant de mourir. Et dans cet avion privé là, apparemment il y avait de la drogue là-bas. On nous a dit que sans doute il a eu peur que la police le chope avec cette quantité de drogue. Donc il a décidé d'avaler des drogues dures ou encore des comprimés hors du commun. Peut-être pour simuler quelque chose d'autre. On dit qu'il est, quand il est arrivé à l'aéroport, tout de suite, il a commencé à vomir du sang. Et c'est quelques temps plus tard, quand on l'a emmené aux urgences, il a succombé, il est mort là-bas. Qu'est-ce qu'il n'a pas, qu'est-ce qu'il y a? Que voulez-vous que je vous dise, mes frères et sœurs? Des enfants des champs, en même temps des millionnaires. Des millionnaires qui sont la cible du diable. Les gens ont fait des recherches et nous en dirons plus sur le sujet. Sans doute nous ferons d'autres vidéos. Voici dans les circonstances dans laquelle Pop Smoke est décédé. Ce sont les circonstances dans lesquelles il est mort. La plupart du temps, quand il y a des morts, les gens pensent que ce sont les œuvres de la nature. Parfois, je pourrais même dire en général, quand il y a des morts pareils, ce sont les démons qui sont à la base. Parce que vous devez comprendre un truc aussi. Pour pouvoir tuer quelqu'un, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Il faut un long processus. Donc le job a commencé spirituellement parlant. Et ça se matérialise physiquement. Pop Smoke pouvait ne pas être là quand le camionneur est arrivé chez lui. Peut-être qu'il pourrait être quelque part, peut-être en voyage, bon, comme c'est un chanteur, peut-être on va dire qu'il allait chanter, il est resté là-bas. Et puis ils sont arrivés derrière lui, ils ont fait les bêtises. Mais pourquoi au moment où il devait arriver, et ça s'est passé ici? Vous devez savoir que franchement, sur cette terre, nous sommes tous exposés à tout et à tout, et tout peut arriver à tout moment. À tout moment, c'est comme dans un pays d'ici, il y a eu des fusillades. Que s'est-il passé? Je vous explique. Des gens se trouvaient tranquillement dans un restaurant. Un jeune homme et sa copine sont allés manger. Déjà, il allait voir les parents de sa copine et il a dit, vous savez, je vais aller juste dans un restaurant pour manger avec votre fille. Elle me plaît beaucoup. Et bon, c'était même ça. Les parents ont donné leur accord. Et voici que ce jeune homme va se retrouver à un mauvais endroit, au mauvais moment. C'est-à-dire
dans un restaurant en ce moment là, un restaurant. Pendant qu'il serait dans le restaurant là, voici que des gens armés, vont maintenant venir là-bas arroser le restaurant de balle. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il est là. Il regarde cette situation. Il sait même plus même où est en train même sa fiancée. Il est lui-même en train de chercher à s'échapper. Mais ces gens-là sont à l'entrée de ce restaurant. Ils ont commencé à tuer tout le monde. Je dis bien tout le monde. Maintenant lui, il était obligé de se jouer les morts. Il se jouait les morts. C'est-à-dire qu'il s'est couché comme ça. Genre comme une personne qui est morte. En fait, il s'est couché sur un cadavre. Sous un cadavre. Le cadavre était sur lui, entassé. En plus de ça, ce que tu es là, il venait encore tirer sur ceux qui sont morts. Pour qu'ils meurent bien. C'est comme si ils étaient en train de vérifier si ces gens-là étaient bien, vraiment bien morts. Il s'est trouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Quand ces gens ont fini de tirer, tuer les gens, ils sont partis. Mais lui ne savait pas s'ils étaient vraiment partis. Donc il a attendu juste quelques minutes avant d'essayer de jeter un coup d'œil pour voir s'ils sont partis. Qui a amené ce tueur-là là-bas? C'est qui? C'est le diable. Est-ce que ce jeune homme avait prévu que ces gens-là arrivent là-bas? Non. Sinon, il ne serait jamais de la vie aller là-bas en plus avec la femme de sa vie. Jamais. Mais c'est une situation qui arrive souvent. C'est comme un accident. C'est pourquoi nous devons prier avant de sortir le matin. Qui Seigneur Jésus-Christ, qui de moi? Protège-moi. Maintenant qu'il est arrivé là, voici les gens ont commencé à tirer. Ils ont tué les gens. Il ne sait même pas si sa copine est en vie. Quand l'interviewé, il était en pleurs. Il disait, mais qu'est-ce que je vais dire à ses parents? Qu'est-ce que je vais dire à ses parents? Comment je vais annoncer ça à ses parents? Je ne sais pas où elle est. Il est traumatisé. Voici ce qui est arrivé dans ce monde. Vous êtes là tranquillement chez vous. Et le diable vous trouve là-bas. Il vient vous trouver même là-bas. Juste comme ça. Il vient venir trouver chez vous. Là où vous êtes, c'est là qu'il va même venir. Vous devez me croire, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire, je vous dis. Faites très très attention à là où vous mettez les pieds. Surtout, priez pour faire vous dire. On ne sait jamais. Personne ne sait ce que je peux enfanter. Il faut prier avant de sortir. Et faire confiance à Dieu. Il faut vraiment faire confiance à Dieu. Il faut être dans la légalité. Il faut être prêt à tout moment. N'ayez pas peur de la mort. La mort, c'est juste qu'un sommeil. Un sommeil pour les gens qui ont la crainte de Dieu. Jamais vous vous endormez, que vous faites un songe et puis vous êtes déjà dans un autre monde. C'est exactement ça la mort. C'est la même chose pour les chrétiens. Donc vous soyez prêts. Vous soyez forts. Qu'est-ce que sa famille va dire maintenant? Qu'est-ce que la famille de ces personnes vont-elles dire? Qu'est-ce qu'elles vont dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? L'homme est faible. L'homme, il parle beaucoup. Il fait beaucoup de bruit. Il a arrogant, orgueilleux. Mais en réalité, il est très faible. Hyper faible. C'est exactement ça le monde dans lequel nous sommes. Un monde rempli de vilaines choses. Rempli de choses hors du commun. Mes frères et sœurs, soyez vigilants. Pour nous sommes de fous. Nous ferons sans doute d'autres vidéos et nous vous en dirons plus sur ce genre de sujet.
si nous faisons des vidéos pour vous raconter ce qui se passe dans le monde par rapport aux disparitions des gens, c'est tout simplement parce que nous comprenons ce qui se passe. Nous savons que personne ne veut mourir, personne n'est prêt à mourir. Mais quand ça arrive, ça fait tellement mal que vous ne pouvez pas l'exprimer facilement. Faites très attention à vous. Bon, nous en parlerons. Abonnez-vous et restez connectés. C'est parti.